cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat, as told by its professors. Jean-Marc Scalecki, champion du monde en 1991. J'ai vraiment la fierté d'avoir gagné tous les titres qui existaient dans la savate depuis les minimes. J'ai été champion de France minime, champion de France cadet, champion de France junior, champion de France espoir, champion de France élite. J'ai aussi bien boxé en assaut qu'en combat. J'ai eu tous les titres en assaut. J'ai eu également tous les titres en combat. Dans ma carrière, je n'ai perdu que deux fois. Hein, donc sur je ne sais plus trop combien d'assauts et de combats, je n'ai eu que deux défaites. J'ai commencé à l'âge de 14 ans en 1980. J'ai rencontré mon entraîneur Charlie Callas, que je côtoie toujours à l'heure actuelle. Et voilà, je suis tombé amoureux de la savate. Je suis tombé dedans tout petit, donc à l'âge de 14 ans. Et tout de suite, j'ai adoré cette pratique, j'ai adoré ce sport. Et donc, dès la première année, je me suis lancé dans les compétitions en minime, en fait. Minime, cadet, junior, espoir, senior. Ce que j'ai adoré dans cette pratique, c'est... Pour moi, il y a vraiment une philosophie, une culture de l'être. J'avais l'impression que c'était un être total, dans toutes ces dimensions qui s'exprimaient à travers ce sport. Je pourrais presque dire qu'il y a un aspect spirituel à travers cette pratique, dans le sens où, du moins dans ce que j'ai vécu, ça a été vraiment toutes les composantes de mon être, l'esprit, le corps, les émotions, que j'ai appris vraiment à canaliser à travers cette pratique. C'est un sport qui est très physique, qui est très exigeant d'un point de vue physique, très technique. C'est un sport intelligent, il faut être intelligent, ça demande beaucoup de stratégie. Et on vit vraiment des émotions qui sont incroyables. Donc être amené à gérer ses émotions au plus haut niveau, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et c'est vraiment tout ce que m'a appris cette discipline. En même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que chez nous, il y a vraiment une histoire de la savate, une culture. Mes premiers mes entraîneurs qui ont été Charlie Callas, et il y a eu aussi un certain Lucien Batigne, m'ont sensibilisé vraiment à cet esprit, à cette culture spécifique de la savate. Je viens du nord de la France, de Lille. Et historiquement, la savate s'est développée dans le nord de la France et dans les pays voisins, la Belgique, sur la région parisienne et dans le sud de la France.
Ah, donc il y a eu vraiment une tradition dès le départ de la savate chez nous, hein, dans le nord de la France. J'ai trouvé que cette culture qui passait par l'usage du pied de la chaussure auquel s'est rajouté les techniques de poing de la boxe anglaise, eh bien voilà, c'est quelque chose qui est fondamental à perdurer dans le temps. Aujourd'hui, je suis enseignant d'éducation physique et sportive à l'université. J'estime que cette pratique est fondamentale pour transmettre des valeurs éducatives. Je forme des étudiants, alors j'ai des étudiants de médecine, et je forme des futurs médecins, des gens qui sont également en chirurgie dentaire, je forme des juristes, des gens qui font des études de droit, et tous ces étudiants me disent, mais quand j'arrête mes études, autant tout ce que j'ai fait dans mes études, ça me sert, mais je m'en souviens plus ou moins. Par contre, je garde des souvenirs indélébiles des premiers temps où je suis monté sur un ring. Donc, un étudiant se souviendra toute sa vie du moment où il est monté sur le ring. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la culture, en fait, hein, d'un individu. Que pourrais-je encore rajouter ? Aujourd'hui, hein, j'ai aussi à la fois la joie, la fierté de communiquer ma passion à des jeunes, à des étudiants. J'ai choisi de continuer à suivre mes élèves qui souhaitaient faire de la compétition après au plus haut niveau en fédéral. Et bon, aujourd'hui, par exemple, je viens avec trois anciens élèves, hein, qui, de l'université, sont passés dans le niveau fédéral. Et j'ai aussi formé donc des champions qui non seulement ont bien marché dans la compétition au plus haut niveau, mais qui aujourd'hui sont soit chirurgiens-dentistes. J'ai également des anciens étudiants qui ont été champions de France et qui sont médecins à l'heure actuelle, ou qui marchent très bien aussi dans leur vie professionnelle. Et ça, donc cette réalisation aussi bien sur le plan de la compétition, sur le plan sportif, au niveau social et professionnel, je trouve ça vraiment fondamental. L'importance du professeur est fondamentale dans le sens où on transmet vraiment des valeurs à travers la pratique. Il y a vraiment des valeurs de respect, il y a une amitié qui se tisse à travers les élèves, hein. C'est que un élève qui va faire de la compétition, c'est un sport individuel, et pourtant il y a toute une équipe derrière. Hein, donc c'est pas un élève qui réussit, mais c'est tout le groupe derrière, en fait, qui réussit. On est aussi amené il y a vraiment un travail psychologique. Alors, en parallèle, je suis professeur de yoga. Hein, j'enseigne le yoga, je pratique le yoga à plus haut niveau. Et ce qui est incroyable, c'est que je retrouve moi des valeurs qui sont assez similaires, dans le sens où, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que mon élève s'épanouisse d'un point de vue à la fois physique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Hein, bon. Et donc, de réussir à transmettre ces valeurs-là, de faire en sorte que lorsque la personne elle est confrontée à un adversaire sur le ring, avant tout, elle est confrontée à elle-même. Elle est amenée à aller puiser dans ce qu'elle est le plus profond en elle. Et pour moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, hein, de transmettre. Faire en sorte qu'à travers une pratique, il y a la personne soit vraiment à la rencontre d'elle-même. Et lorsqu'on parvient à transmettre ça à un élève, à l'amener justement à cette confrontation à elle-même pour passer à un niveau, je dirais, supérieur, hein, de conscience, eh bien, je crois qu'on a vraiment joué un rôle fondamental, hein, chez l'élève. Et les élèves se souviennent de leur professeur en général. Moi, j'ai eu mon entraîneur, hein, Charlie Callas, qui m'a formé lorsque j'avais 14 ans. J'en ai aujourd'hui 47. Et je croise toujours ce personnage. Il y a eu
une relation un peu de père-fils, c'est un peu mon père spirituel. Hein, et cette relation, moi je suis son fils spirituel, et cette relation, elle existe toujours.